un cerf et mettre des choses à l'intérieur. Et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, on va payer ou l'offrir à une personne. Wow, je monte nos constructions, ils respectent rien. Oh, bien, bien, attention là-bas. C'est bien Kylian. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Kylian. Aujourd'hui les amis, on va refaire un concept qui est beaucoup fait en Amérique, à savoir prendre un cercle et mettre des choses à l'intérieur, et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, on va payer ou l'offrir à une personne. Aujourd'hui la personne chanceuse qui est là avec nous, notre ami Quentin, très à l'aise devant la caméra, vous le voyez. Hop hop. Exactement. Voilà. Donc on va faire un cercle ici au sol sur ce curb, et il va aller prendre dans le garage à dinguerie toutes les pièces qu'il veut pendant un temps donné, et on lui donnera tout. C'est cadeau. Juste avant qu'on commence la vidéo les gars, si vous ne connaissez pas, nous sommes deux frères youtubeurs trottiriders de l'extrême. On sort deux vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi à 18h. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et si vous voulez pas le faire maintenant, attendez ce concept de la dinguerie, vous le ferez normal après. Bon Quentin, ouais, voilà, t'es tendu un peu. Non, c'est bon, je suis prêt. Je vais essayer de faire un cercle avec du scotch. Je te préviens, ce cercle il va pas être très gros. Ah oui, tu fais. Ah oui. Donc là je vais devoir mettre du matos dans ce cercle là. Exactement. Ça va jamais rentrer. Tout ce que tu mets dans ce cercle là, t'as le droit de le garder. Tu vas avoir une contrainte de temps. Tout ce qu'il y aura dans ce cercle au bout des 5 minutes, tu le gardes. Titane, deck, roue, tout ce que tu veux. Juste avant ça, on va aller voir un peu sa poubelle. Il a commencé en même temps que nous, sauf que. Petite erreur de parcours, il est parti de la trottinette, ce fils de lâche. Il a été. Tu sais, il a été attiré par quoi? Actuellement, il ride avec ce qu'on appelle ce déchet. Tous les trucs qui vont bien dessus, c'est parce qu'on lui avait déjà un ça, peu. Ça, mon gars, c'est un deck Bronner Smith Fazen que je lui ai gentiment donné contre deux grecs. J'ai toujours pas eu. Ouais, ils sont les deux grecs. Ça arrive, ça arrive, ça. Fissuré, voilà. Bientôt, bientôt. Warrior, bon bah une de nos anciennes roues, ou avant pareil. Pareil, c'est pas mal. La fond, je crois, c'est peut-être à toi. Non, c'est à moi. Ouais, j'avais une blinde. T'as vu, c'est à lui. Bon, ouais, vous voyez, il faut changer. Déjà 49. Et il fait quelle taille? Il fait 1m80, le gars. Il fait mal le deck, il fait quoi? Il a un deck en 49. Il fait moins d'un pied de large. Des remarques sur mes sandales? Bah dites pas en commentaire. Et pareil pour mes plaquettes. Elles sont horribles. Donc bref, on se retrouve dans le garage de la dinguerie. On va mettre 5 minutes de chrono et on va voir ce que Quentin va réussir à mettre dans son cercle. Pour ceux qui savent pas, on est dans le garage de la dinguerie. Donc voilà, trottinette. On a des barres ici Quentin. Des jeux de direction, des visseries, etc. Là, t'as des roues, là t'as des fourches, là des poignées, des coins de serrage, des sièges, etc. Et derrière ici, t'as des decks. Donc là tu peux choisir tout ce que tu veux. Tu peux même choisir sur des trottinettes. Est-ce que t'es prêt? Normalement oui hein. Dernière chose, tu veux démonter un truc, les outils sont ici. 3, 2, 1, c'est parti, le chrono est lancé. Oh c'est du blunt, c'est du blunt. Eh faut pas que ça touche. Attends, attends, attends. Les mettre de côté, les mettre de côté. Faut l'aider, Pégard c'est lourd. Wouah. Ça c'est bon. Oh les dernières. Oh là là. Ça passe dans le ciel. Les mecs qui l'équilibre. Dépêche toi, t'as pas le temps de parler toi. Bah oui du blunt ça va venir. Okay. Okay. Let's go. Oh, oh attends. La barre. T'as le temps de la démonter tu peux. Démonte nos constructions, ils respectent rien. Allez gamin, allez. C'est les mêmes. Attention là-bas, attention là-bas. C'est tout là. Non, j'ai pas fait le tirage. Est-ce que maintenant, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah bah oui, mais je suis con, c'était pas un compte à rebours. Mais bon, ça fait 5 minutes. 5 minutes, un battle 5 gros. J'ai pas fait le tirage. Bon, alors attends, allons voir. Rien ne touche. Ok, on est bon pour ça. Putain, t'as été intelligent avec les roues. Les gars, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Est-ce que tu veux peut-être m'aller t'en occuper? Vas-y, je te laisse t'en occuper. C'est quoi ça? De quoi tu parles? Est-ce que t'as comme t-shirt là? Je pense que c'est t-shirt Maël Lemoine. Marque. Oh là là, petite collection Maël Lemoine avec un dos d'acier. Actuellement disponible sur le site internet, les gars. C'est ça. Manche longue, manche courte, comme vous avez vu. Faut aller voir dans la description, vous avez kiffé. Prenez. On passe au contenu. Donc, viens avec moi, gamin. Sois pas timide, viens à côté de ton maître. Ça tombe envie. Oula. Les gars, ben, on n'a pas encore tout cool, hein, faut pas que ça tombe. Donc on a Porsche KOS 3 apparemment. Franchement pas mal, je savais même pas qu'on l'avait pour te dire. Le poignet blazer qu'on a reçu il y a pas longtemps je crois. Ouais. Personne n'a. Il a pris sur les embouts. Ouais. On a un petit grip bleu. Je sais pas c'est quoi la marque. Mais il est assez sympathique. AO je crois. AO d'accord. AO petit grip AO. Eh, il est allé jusqu'à démonter une de notre inventions. Bartitan. Une de nos inventions, il a pris sa meilleure Bartitan. Ça. La carotte du siècle. Il a vu ça, il a fait. Oh c'est beau je crois. On verra ce que ça va donner. Magnifique deck. Aucun commentaire. Pour la petite histoire les gars, ça c'est un deck que j'ai récupéré à Nomad Shop tout simplement parce qu'il y avait un défaut de peinture, il pouvait pas le vendre. Il semblerait, on l'a regardé, qu'il n'y ait pas d'autres défauts. Voilà, au top. Donc, pour terminer, deux roues de type blazer. En plus t'as réussi à matcher les couleurs, t'es vraiment... Bien joué. Ah ouais, le bleu, tout c'est incroyable. Bon maintenant mon petit Quentin, vu qu'on est des gens gentils, on va la monter avec toi, on se retrouve garage à dinguerie, on monte ça et puis on ira tester sa nouvelle trotte sans skate park. Je vais commencer à monter la trotte de Quentin parce qu'il est en train de démonter son ancienne trotte pour récupérer son SCS et potentiellement ce qui va nous servir à monter cette nouvelle trottinette avec les pièces qu'on vient de lui offrir. Donc le petit Jack Jessica là, le truc qui lui manquait c'était un frein. On va mettre un frein comme ça là, donc faut faire un petit trou. Bon allez, on passe au perçage.
T'as fini toi avec ton SS? Pas sorti de n'importe quelle mentalité toi. Il a tout pris de la même couleur le fils de Piotr. Ah ouais. Regarde, il a réussi à faire son coup, il a fait le coup de l'année. Tu vois la barre avec le. De toute façon vu que sa trente elle a duré 4 ans gros. Autant qu'elle soit belle. Non bien, tu sais quoi, maintenant toute la communauté, on va lui mettre un défi. Maintenant Quentin, on te va faire cette trotte. Moi je vais voir un backflip maîtrisé avant la fin de la saison. Il est malade celui. Non. Mettez tous en commentaire hashtag backflip. Non mettez pas trop les gars. Passe au défi. Ouais, t'es satisfait du travail pour l'instant ou pas? Pour l'instant, il fait ça bien. C'est bien, Kylian. Comment j'allais dire? C'est bien, Quentin, quand il va chier dessus à faire des backflips. Je peux me ramener à la fourche, la jute directionnelle. Et la barre. Ah non, pas la barre. Bon, là, les gars, je pense qu'on va mettre un petit plan fixe. On va mettre tout simplement la fourche, la direction, les roues. On se retrouvera pour la barre pour juste régler la bonne hauteur par rapport à Quentin, comment il aime rider. Et puis, on se retrouve au skatepark, tout simplement. Viens à côté. Tiens, vas-y, viens. Non, mais attends, mais moi, faut que ce soit bien ma taille. Hein. C'est pas en mode une taille réglementaire. Donc là, là, c'est un éléphant le truc. Non, on est d'accord. Non, c'est pas logique par rapport à la longueur du deck. Non. Mais on va enlever quoi? Je pense qu'on va faire le milieu entre ton ancienne et celle qu'on a là. Voilà, en fait. Donc regarde. Garde-moi ton ancienne. Voilà, 5 cm, ça arrive ici. En plein milieu des deux. J'enlève 5 cm. De toute façon, c'est décidé. C'est pas le choix. Je la recouperai si vous. Quel ingrat. Toujours avoir la sécurité. Ne filme pas mes pieds. Ouais, c'est bon, j'ai compris le paradoxe et tout, mais vas-y, normalement t'es pas censé couper au niveau de tes pieds, tu coupes au niveau de tes yeux. Non, les sandales et ça, non, ça va pas. Mais gros, t'as un problème? Tu vois pas de l'anis toi? Tu vois pas un peu d'anis, t'es là? Non, moi c'est Wisoki. Bon, allez, on coupe les gars, on coupe. On va mettre ça directement sur la patiflute. Elle est droite ta barre d'habitude? Ah ouais. Sa barre elle est vraiment pas droite d'habitude. Okay. Gay ride comme ça, c'est du n'importe quoi. C'est Mel qui parle avec sa vision à demi-teinte là. Tout le gang des lunettes là. Il a le repère optique. Me laissez 2000, pas tomber les gars. Il a le repère optique 2000. La pire vision d'optique 2000. De l'œil gauche. Bon les amis, je crois que c'est encore une dinguerie qui sort du garage de la dinguerie. Regardez-moi cette beauté. Ah si on avait pu faire ça à l'époque, j'en étais content. Hein. Je vous cache pas les gars. Il est temps de céder cette trottinette comme quand tu donnes les clés d'une maison. Bah à son nouveau propriétaire. Donc tiens, Quentin. Oh soleil. Bon, donc elle est belle. Tu mets quoi comme note? Moi je mettrais 9 minimum. 9 okay. Dites-nous en commentaire les gars, combien vous notez ce setup sur 10? Maintenant les amis, on va tout de suite faire une téléportation au skatepark. Allez, 3, 2, 1, on saute. Yo. Wow. Ah mec, comment c'est trop bien la téléportation. On est arrivé. On a été trop vite. Pour moi, même pas décoiffé. Ah ouais, ça fait pas, mais écoute, ça va trop. C'est comme Harry Potter, gros. Le mur. Bon, le skatepark, t'as ta trottinette. Il est où ton casque? Bah, il ride sans casque. Il ride sans casque, c'est pleutre. C'est quoi, mec? On va regarder ta première ride, tes premières impressions sur ce nouveau bolide. Fais-moi quelques tricks flat. Ok, 180. Oui. Moi, je trouve déjà, il ride plus clean parce que. Il est moins comme ça. C'est avant, ça, vous auriez vu, il était comme ça. Là, il est un peu plus droit, c'est mieux. Avant, j'étais vraiment fermé. On l'a un peu obligé à avoir un deck plus long et une barre plus haute parce qu'on n'en pouvait plus de son deck en 49 et sa barre en 32 là. Donc là, il a plus de flow là, normalement. Regarde, il fait des manuels, gros, il a jamais. Ouais, j'avoue, ton manuel il était. C'est vrai. Arrêtez. C'est quoi, on va aller sur le Vulcan. Tu vas essayer de faire. Barre, whip. Sachant que les gars, bon, on sait pas parce qu'on a commencé la vidéo sans voir Quentin rider. Mais Quentin n'a pas du tout notre niveau. Hein. Soyez-en bien conscients. Bien sûr, on va vous faire des petits flares, des petits backflips pour vous kiffer. Parce qu'on sait que c'est ce que vous voulez. On va déjà regarder si Quentin il arrive à faire ses petits tricks habituels. Barre, whip, barre, whip, barre. Fouh. Ok, propre. Barre, whip. Allez. Yo. Comment tu te sens? C'est bien? Ça part plus vers l'avant que mon ancienne crotte. Ouais. C'est bien, c'est ça. Forcément plus haut. Donc je suis en plus d'équilibre. D'accord. Très bien. Donc avec la longue, ça sera mieux, c'est sûr. Tu pourrais nous faire un petit triple hip là-bas, comme le skater en haut. Sur la pira. Ouais, triple hip. Bon les gars, Quentin il est pas mal, il a déjà bien testé, il va nous faire un bris 180 et après Kylian et moi allons faire quelques tricks pour terminer la vidéo. Et ensuite on pourra se quitter dans de bonnes conditions. Youhou. Ok, on l'a dit, il a dit on l'a pris pour un noob. Maintenant trouve-lui un trick de fou. Bon Quentin il me prend un last trick là, t'as un trick en tête ou pas? Partout double hip sur la courbe Laval. En 180? En 180. Ok vas-y, parfait. Yeah.
presque parfait. Propre. J'avais pas arrêté pour là, mais en fait, c'est comme si on était, tu vois, on vit presque ensemble. On va dire, heureusement souvent. Alors, t'es content? Ouais, elle est bien. Merci les gars. T'auras pas un petit message à dire aux abonnés? Ah, pour les trois, mes trois fans là, sur Instagram. Ça arrive les posts hein, pour vous les gars. J'en ai trois. J'avoue, si vous voulez voir ce qu'il sait faire. C'est mes fans, avec un S. Fan avec un S. Si vous voulez voir ce qu'il sait faire, allez voir sur Instagram. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés, donc n'hésitez pas à mettre un max d'abonnement et ça le motivera à faire des posts simplement. En vrai, il y a du level un peu. Il y a un backflip, il a déjà mis, il va le remettre. Les gars, je voulais juste vous dire un truc avant ça. Quand on avait, je sais plus combien d'abonnés, peut-être 60 000, on a fait une vidéo. D'ailleurs, ça s'affichera ici où on a montré tout le matos qu'on avait dans le garage. On avait dit qu'à 80 000 abonnés, on choisirait un de vos commentaires où vous avez fait un setup qu'on fera gagner à 90 000 abonnés. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'on arrive bientôt à 80 000, comme ça on va faire ce setup et on vous l'offrira à 90 000 abonnés. Voilà. Allez, Mel, on met notre casque et on leur fait des petits tricks de fin pour qu'ils kiffent ça. Ouais. Oh là là, le full downside whip et le barfus flat. Je crois qu'on a fini la vidéo en beauté avec Maël là. Bon les gars, je pense qu'on a fait une bonne vidéo, c'était dinguerie. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, lâchez un like, commentaire, abonnez-vous. Parce que ça fait zizir, tu connais. N'oubliez pas la petite marque. Et sur ce, on se retrouve vendredi et mercredi à 18h. Et bah voilà, bon ride les gars. Ciao les potes et bon ride.